Je m'appelle Judith Pérignon, je suis romancière, journaliste. Je suis arrivée dans ce centre d'hébergement d'urgence qui est dans mon quartier mais que je ne connaissais pas parce que forcément c'est le monde, ces deux mondes qui ne se côtoient pas en fait. Il y a une confiance qui s'est installée entre nous et les gens d'ici. On les connaît, ils nous connaissent, toujours avec beaucoup de pudeur de part et d'autre, mais il y a vraiment des rendez-vous installés pour eux comme pour nous. D'emblée, il fallait que les gens me fassent confiance parce qu'on est dans une situation où les patients sont très exposés face à moi. Ils se retrouvent devant quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, à qui ils vont devoir confier des choses assez intimes. Et finalement, tout s'est très bien passé. C'est-à-dire que c'était toute cette angoisse que j'avais au préalable, elle était sans compter l'état de lucidité dans laquelle étaient au fait les patients qui acceptait de participer à cet atelier d'écriture qui était dans une envie d'écrire et qui n'attendait que l'allumette qui allait mettre le feu aux poudres en fait. Parfois moi je suis bluffée parce qu'il y en a rien qu'en parlant, ils ont des fulgurances, des choses où on se dit des mots mais d'une beauté incroyable. Je pense qu'après 2 jours d'écriture on ne les trouverait pas, mais qui ne viennent que de la vie. Que du vécu, comme s'il y avait une espèce de canal comme ça en eux qui remontait jusqu'à sortir par leur bouche. Et ça, c'est nourri par leur existence chaotique. Souvent, ils se sont frottés à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Et il y a des mots, ouais, j'appelle ça des fulgurances et d'une très grande poésie, ouais, que je leur envie. Je voudrais avoir fait. Ce que je voulais préparer avant de mourir, moi, je vois, c'est une croyance. C'est de quoi? De ce que j'ai pas vu. Et ce que moi j'ai envie de préparer, c'est ce que je n'ai jamais vu, que j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu. Je connais partout, de la terre, tout. Vous jouez bien, mais connaissez vraiment la terre, vraiment. La planète. Je connais pas la planète. Mais tu voudrais être savant. Mais je connais rien dessus. Je suis là comme ça. Bah. Alors, est-ce qu'il y a l'urgence de la maladie ou de la peur qu'ils ont eue ou qu'ils ont eue est-ce que c'est ça qui a fait que cette intimité a pu être évoquée avec autant de sincérité? Et en fait, c'est ça qui fait la beauté de ce qu'ils ont écrit. On ne sait pas trop leur âge pour certains. Je pense que certains font peut-être plus que leur âge, mais en tout cas, ils ont une longue vie derrière eux et un rapport au temps assez compliqué au fond. Parce qu'il y en a, y a un homme de 83 ans, par exemple, qui nous raconte toujours son enfance dans le sud de l'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il revient toujours à ça. C'est le point de départ. C'est le point de traumatisme, c'est le point du souvenir. Il y revient toujours. Il y en a d'autres, au contraire, revenir en arrière, c'est trop douloureux. Parler de leurs parents, c'est... Il y en a un autre, il est au bord des larmes, tout de suite. Il y a des éclats qui deviennent de gens qui nous parlent. L'éclat vient par la parole. Et une vraie poésie. Et donc ça ne vient pas, c'est pas des gens qui écrivent, mais par le récit ça vient. Ce qui est un talent d'auteur, parce qu'il faut quand même trouver les mots. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, parce qu'ils se disent, atelier d'écriture, de poésie, je n'ai pas ce talent, ce n'est pas pour moi, ce vieux complexe que tout le monde a avec l'écriture. Alors qu'au fond, la porte est ouverte. Dès que quelqu'un vient, on commence par lui offrir du café, un petit gâteau, en lui disant, même si tu veux juste rester ici le temps d'un café, t'es le bienvenu. Voilà, qu'il écoute, qu'il voit bien qu'on ne peut même pas savoir écrire le français et se sentir bien ici. Et progressivement, on a vu des gens se rassurer et s'installer avec nous.